regarder toute la neige qui est tombée sur la maison magique. Ohé, Pandipat, où es-tu? Est-ce que vous voyez Pandi? Câlin surprise enneigé. Ce gros tas de neige était parfait pour se cacher. Nom d'un pare-choc! Il y a encore de la neige qui tombe, et pas qu'un peu. Ah, nom d'un vermisucre, la neige entre dans la cuisine. Et le salon de musique aussi. Oh non, il y a trop de neige. Ça va couvrir toute la maison magique. Tout ira bien si on travaillait ensemble pour dégager la neige autour de la maison magique. Quelle idée faramineuse, Gabi. Je vais t'aider. Compte sur moi aussi. On peut tous t'aider. Peut-être qu'on peut se servir de ça. J'aime bien me servir de la pelle verte parce qu'elle dégage beaucoup de neige. Est-ce que vous voyez la pelle verte? C'est celle-là. Oui, c'est ça. Bravo, Pandi. J'apporte les autres pelles à neige. Déblayons toute cette neige. Ouais, on peut le faire. Au revoir, la neige. À la prochaine. Quatre pattes valent mieux que deux. Et deux pelles valent mieux qu'une. Ouais, super. Psst, Gabi, Pandi, j'aimerais préparer une petite fête avec des chocolats chauds gourmands pour remercier tout le monde d'avoir travaillé aussi dur. Quelle idée fantastique, petit chou. C'est quoi un chocolat chaud gourmand? C'est du chocolat qui mange trop? Pas vraiment, Pandi. Je vais te montrer. Tu veux m'aider à tout préparer? Bien sûr, petit chou. Merci. Vous aussi, vous pouvez préparer un chocolat chaud gourmand chez vous. On goûte à tout avec petit chou. Commençons par tout mettre sur un plateau. C'est fun d'accompagner le chocolat chaud de garniture gourmande. Puisqu'on prépare une fête, il nous faut plein de choix pour nos amis. Quel genre de garniture, petit chou? On peut mettre de la crème chantilly, des mini chamallows, des sucres d'orge qu'on accroche sur sa tasse, de la poudre de sucre d'orge. Vous pouvez faire ça en mettant des sucres d'orge dans un sac et en les écrasant avec une cuillère en métal. Des petits morceaux de barres de chocolat, là aussi. Vous pouvez aussi les mettre dans un sac et les écraser en petits morceaux. Des pailles en cookies et, ce que je préfère, du vermicelle de toutes les couleurs. Pour faire du chocolat chaud, versez un paquet de préparation pour chocolat chaud en poudre dans une tasse. Demandez à un adulte de vous aider à verser du lait chaud ou de l'eau chaude dans chaque tasse. Prenez le lait que vous voulez. Maintenant, vous pouvez ajouter ce que vous voulez sur votre chocolat chaud. Le vermicelle est joli sur la crème chantilly. Hé, ça me ressemble en plus. Un petit chou au chocolat. Je vais mettre de la crème chantilly, des morceaux de sucre d'orge et un sucre d'orge entier pour donner un goût de menthe à mon chocolat chaud. Donnez-moi les mini chamallows, les morceaux de chocolat et les pailles en cookies. Amusez-vous avec votre chocolat chaud gourmand. Votre attention, tout le monde est invité à venir boire un bon chocolat chaud. Ouh, super. Ouais. Ouais. Ce chocolat chaud me donne envie de danser, c'est délicieux. Ouais. C'est agréable de se reposer après tout ce travail frigorifiant.